Français, Bretonne, électeur, électricien. Sur ce son de cloche, l'appel du Très-Haut, et ayant cette nuit entendu des voix, comme naguère Jeanne d'Arc à Dom Rémy, j'ai décidé, moi, monsieur Algue Bleu, Algue Verte, écœuré de toutes ces salamalecs, de tous ces tripatouillages, de tous ces découpages, de tous ces passages expérimentaux, de tous ces comités scientifiques, j'ai décidé aujourd'hui, à Londres, à Truand-Brivant, de lancer en cette fête de Sainte-Thérèse de Nitrate, de Lisieux, Sainte-Thérèse de Lisieux, de Sainte-Jeanne d'Arc, j'ai décidé de lancer ici même à Londres, à Truand-Brivant, un appel, à l'appel du 9 mai 2010, comme Jeanne d'Arc, tous ensemble, qui avait bouté les Anglais hors du pays, unis aujourd'hui, y compris avec eux, ces Anglais, après une guerre de 100 ans, féroce, unis tous ensemble, boutons aujourd'hui, qui comme Jeanne d'Arc avait été brûlée à Reims, sur un bûcher, par l'évêque Cochon, boutons aujourd'hui, l'évêque Cochon et tous ses disciples. Mais attention, dans l'ordre et dans la discipline, nous procéderons d'abord à un tri. Tous les cochons seront d'abord envoyés dans un centre de rétention où nous procéderons à des contrôles génétiques. Tous les cochons qui laisseront apparaître des gènes de porc sur paille élevés par la Confédération paysanne seront rétablis dans leurs droits. Quant aux autres, nous les bouterons hors de Bretagne. Boutons, boutons, ces affreux cochons, boutons, boutons, ces affreux cochons. Les contrôles génétiques seront opérés par Jean Cabaret, expert généticien. Et comme Dorémy, comme Jeanne d'Arc, à Dorémy qui gardait les moutons biologiques de la Confédération, on avait sa carte à la Confédération paysanne, nous bouterons dehors toute cette merde, boutons, boutons, toute cette merde qui étouffe nos sols, nos prairies, nos fleuves, nos plages, notre air, boutons, boutons et nos esprits, boutons, boutons, boutons cette merde hors de Bretagne, car notre pauvre continent est devenu un continent. Et ces couches géologiques, aujourd'hui, se sont transformées en couches culottes pour troisième âge. Boutons, 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 boutons dehors, boutons de Bretagne, c'est 15 millions de cochons selon la police, 12 millions selon les organisateurs, ce qui fait beaucoup de sans-papiers. Et ces 15 millions de cochons chient comme 4, ce qui nous donne 60 millions d'équivalents envahisseurs à bouter, bouter hors de Bretagne. 60 millions sur 7% du territoire, 60% des cochons. Et nous voudrions vous faire croire aujourd'hui à Trébrivant que aujourd'hui c'est le cri du coq. Non, ce n'est pas le cri du coq qu'on égorge, c'est le cri du ver de terre. Le cri du ver de terre, noyé sous la merde.
gorgé de lisier. Bouton, bouton, coperle, copa gris, Gouesson, Glon, Sander et compagnie, qui disent œuvrer pour l'emploi alors qu'ils songent qu'à les supprimer, qui disent vouloir nourrir la terre alors qu'ils ne font que l'affamer en pillant les ressources du tiers-monde. Bouton, 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 ce préfet qui, se mettant à l'abri de ses chefs de service, il appelle ça faire de la vidéo, arbitrage sur vidéo. Bouton, ce préfet, demandons-lui avec sa petite pelle en plastique et son seau d'aller ramasser les algues vertes sur les plages, d'aller à Glomel faire du canoë et kayak et frotter sa peau poupine aux algues bleues. Bouton, bouton, bouton.